Bienvenue les amis dans cette découverte de mode pour le mode pour la map carrière. Et ben aujourd'hui c'est le camion Tatra. Donc c'est sur la base de celui qu'on connaît du jeu. Donc qui se dévoile sur 5 plateformes différentes. Donc le premier c'est celui-là avec pardon, avec le IT Runner hein, pour charger les bennes et tout ça, vous voyez. Hop, en 4 essieux. Trois directionnels, les deux de devant et celui de derrière. Donc ça c'est pratique parce que ça tourne sur place. Donc ça il n'y a pas de souci. Malgré la grande longueur, il n'y a pas de problème, ça y va. Tout est fonctionnel, vous voyez les phares devant, ça marche tout nickel. Les phares derrière ça marche. Clignotant gauche ça marche. Clignotant droite ça marche, il n'y a pas de souci. Ça faut bien faire gaffe parce que des fois sur certains jeux, sur certains modes, les clignotants ne marchent pas. Ou alors ça fait des gros flous, c'est très moche. Les gyrophares ils marchent, le klaxon ça marche, la vue intérieure pas de soucis. Quand on accélère les aiguilles elles marchent aussi. Bon là c'est assez soigné je trouve, ça va. Bon après vous avez la version avec attelage pour remorque. On voit bien les suspensions par boudin, c'est sympa. Le petit camion Ben. Donc celui-là, moi je l'aime bien parce que en fait vous pouvez décharger dans tous les sens. Et il est assez bien fait, il est très haut sur pattes, donc il passe partout. Ça c'est sympa aussi. Donc vous pouvez choisir comment vous voulez que ça décharge. Donc si vous voulez que ça décharge sur le côté droite. Sur le côté arrière par la petite trappe. Non, on s'en fout. Par la grande porte. Et il doit y avoir sur le côté gauche. Donc ça c'est bien parce que comme on fait du TP, pour aller déposer le tout venant devant la machine, ça peut être sympa au bord de la route. Parce que c'est comme en vrai sur les bas-côtés. Donc je pense que je vais le garder pour faire ça. Après vous avez le camion Ben. Ça doit être un 12 000 litres, je crois, si je me trompe pas. Donc avec une belle petite benne aussi, assez sympathique, bien articulée. Un bon volume. Non, franchement, je trouve qu'il est sympa. Et vous avez le même en 4 essieux, deux directionnels. Donc celui-là, on est à 22 000 litres. Donc celui-là, c'est celui que je me sers le plus pour la carrière, parce qu'il est très maniable. C'est sympa. Hop, voilà. Donc les 5 gammes, si vous voulez voir en action, on va aller le chercher directement. Parce que j'en ai un. Alors je l'ai perdu. Hop, ta-ta-ta, ça c'est les nôtres, excusez-moi. Voilà, donc là j'ai le petit en rouge. On va prendre le 4 essieux. Vous allez voir, il est assez sympa à conduire en plus. Alors regardez bien les roues avant. Hop, je vais essayer de pas me planter quand même. Vous allez voir, les suspensions, elles sont hallucinantes. Alors, on va se mettre de côté. Regardez bien les roues de devant. Vous allez voir, ça se tord dans tous les sens. Vous voyez, ça bouge dans tous les sens, tout indépendamment. Ça suit vachement le relief du chemin. Regardez ça. Hop, hop, ça passe partout. Il est super bien fait, franchement. Regardez ça. On saute partout. Il n'y a pas de souci. Ça passe. Allez, on va aller charger directement là-bas. Hop, allez, on va se prendre le bulle. Hop, voilà, on va se charger le bulle-codé. On va lui mettre les 20. Hop, on va à 30 000. Allez, c'est parti. Hop, vous allez voir, ça remplit nickel. Hop, je suis un peu au bord. Voilà. Voilà, donc là on est attaqué, 22 000. On va se taper une petite marche arrière et je vais aller vous le vider. J'adore le klaxon. Bon petit coup de trompe. Allez, c'est parti. Là, ça va monter nickel.
Vous l'avez en plusieurs modèles de puissance de chevaux, 360 ou 460 chevaux. Donc moi les petits je les prends en 360 et puis les gros 462 chevaux, hein, tant qu'à faire. Cela, vous voyez les roues avant comme ça se tord. Ça passe partout, regardez ça, c'est excellent. Il est vraiment trop bien fait. En plus il y a l'attelage arrière donc on peut lui balancer les remorques. Allez, on va aller se vider ça. Petite vue intérieure. Hop. Allez. On accule là-haut. Et on décharge. Et voilà. Hop. Désolé, je regardais la benne. Si elle se repliait comme il faut. Hop. Voilà. Un beau petit Tatra. Allez, bah j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de le télécharger. Je vous mets le lien dans les commentaires. Merci.